Bonjour à tous. Salut, Jean-Michel. Salut, salut. Message, Vincent. Oui, c'est bon. On va regarder ça de plus près. C'est bien ces petites étapes, sans musique à peu près. Ouais, je kiffe pareil. Hein. Ce qu'il va falloir qu'on détermine, c'est comment faire pour la météo. Ouais. Imposer une météo. C'est-à-dire que toute la partie ouest, c'est-à-dire à partir de Trévion, c'est où ça? C'est pas Royan. LFEB, c'est Dinan. C'est Dinan. Dinan? Dinan, ouais. Dinard, Dinan. Dinard, Dinan. Avant, Villette. Ça, c'est Longuillon. Agneau. Levez. Dans l'autre sens, on part de Cannes, on monte Grenoble d'abord. Mondelieu, le Verchou. Ce qu'il faudrait faire, c'est en fait pour tout ce qui est est, c'est peut-être faire une météo, ouest pour tout le Verchou, ouest-nord-ouest. Si tu prends une période, par exemple, une période avec météo réel, si on fait ça à partir du mois d'avril, les vents dominants sont à part dans le sud, où les vents sont plus souvent du nord, du sud, sinon tout le reste c'est du vent ouest-nord-ouest, voire ouest, de sud-ouest à nord-ouest. Bah oui, c'est bien. C'est, pour moi, je sais pas, j'ai un a priori sur cette météo, je sais pas, si on se fait chier ou si ça nous emmerdera ou pas. Ça nous emmerdera. Ce qu'il faut, c'est, est-ce qu'on peut avec le... Il faut se mettre vent arrière. Parce qu'on n'a pas la... sur le tracteur, on n'a pas la vitesse, sinon. Si, il y est. Et quand on se pose, quoi. Quand on se pose. Ouais. Oui. Ah, bah ben voilà le truc. C'est bon. On va réfléchir. Ce que je vous ai dit, hein, vous faites une météo réelle, t'enregistres le vol et puis tu donnes le fichier. Une météo pour tout le tour. Pas forcément pour tout le tour. Tu peux faire donner des fichiers pour les différents points. Ouais, mais tout le monde va pas faire le tour le même jour. La météo, le vol, il est enregistré, donc tu pars avec les conditions que tu avais toi. Tu charges le vol.
si ouais. Tu pars avec les conduits que tu avais. Le jour, l'heure et tout. Je te ferai un essai, hein, si tu veux. Non, c'est pas la question. C'est la question, c'est après, c'est la gestion du bazar. Après, si tu veux. Est-ce qu'on donne les fichiers au... Si tu as une météo avec un vent de nord-ouest et puis que tu as une piste 9-27, je veux dire. Ouais. Si le gars il se pose en 27, il n'est pas bon. Ah oui, ça. Après on verra. Suivant le tracker. De toute façon, il y aura une verticale terrain à faire. Hein. Une verticale terrain à faire, c'est très bien. Modéré, 15 nœuds. Et puis par contre, tu peux faire sur un endroit, tu peux faire une météo à 2 nœuds. Alors là, le gars, il a le choix, mais il faut faire ça sur un aérodrome où il faut plusieurs pistes. Qu'est-ce que tu veux prendre en ligne de. On compte le temps de parcours, le poser. Ah, regarde voir, c'est tout marqué dans le fichier de télé. Oui, c'est ce que je suis en train de regarder. Et la conso, c'est pas la conso horaire, hein, c'est la conso du vol. Conso du vol, oui. Ça, il n'y a pas de calcul et tout. Hein. C'est juste une moyenne et basta. Si un terrain sur la route, une verticale terrain. Oui, oui, c'est ça, trouver un point, on met des coordonnées et puis après c'est à eux de se débrouiller, de trouver le point et de passer par là. Bah, c'est ce qu'il faut sur Ivaou en fait, pour le point. Ah bah tu vois. Ouais, mais là c'est pas des points définis, c'est des points à trouver. Enfin on met les coordonnées, après ils doivent chercher sur la carte. Passage de frontière interdit. Ouais, parce que là on va longer les frontières. Hein. Sur le maritime, selon les règles, vous devez être. Et tu fais un tableau, t'as déjà fait le tableau tu... Oui, oui, j'ai dit. Bon, on peut changer, hein, mais le tableau est prêt. Ah non, c'est bon. Oh, mais c'est simple comme règlement, on ne peut pas faire tout ça. Pas le mettre trop tard, je pense, vers fin mars. Parce que on a le temps de le faire. Ouais, ok, ouais. Donc, pour moi, ça me gêne pas, je veux pratiquement que les gens me sentent. Qu'est-ce que tu verrais comme appareil? Bah moi j'ai pensé au DR400, après on peut faut voir. Hein. Mais c'est appareil unique pour tout le monde, comme ça. DR400 pour tout le monde. Ben je pense. Ah c'est bien, hein. Non, DR400, c'est bien. Hein. C'est l'avion d'aéroclub. Ouais. Un
Celui de Lionheart. Il y en a un qui tire à droite, c'est l'aérosoft. Celui de Lionheart, c'est celui qui a les... Il est un peu plus dur, l'aérosoft. Bah, l'aérosoft, il a un défaut. Il tire d'un côté, qui tire à gauche, c'est à droite, qui tire. T'as un fichier à corriger, à mettre. Ouais, non, mais bon, c'est... Le Lionheart, il est bien. Lionheart, d'après Marc, il est très réaliste. Oui, il est vachement réaliste. Ouais, ben, ça marche. Moi, ce que je vais faire, je vais commencer à essayer le tour. Ouais. Je vais me faire une météo donnée. Je vais me faire déjà une météo pour tout le tour. Une seule météo, je vais voir ce que ça donne dans les points sud et ouest. Sud et est. C'est pas forcément une dominance nord-nord-ouest, sud-ouest. Enfin, ouest et sud-ouest, nord-nord-ouest. Parce que là, je vais le faire. Aussi, je vais le faire avec le tracteur. Bon, il faut que je joue. Oh là, mon petit coup, tu m'as mis un élevé. Je suis même parti. Non, je peux faire 21 points. Bah, t'as passé en plus. Oui, c'est pour ça que j'ai passé. Parce que j'avais un super néomètre. Et ça a pas marché. Comment on change des lettres? Et tu... Bah t'as échangé en bas, c'est ça, à gauche de ta petite lettre. Non, mais ça allait perdu, c'est tout. Ouais. Non, ça c'est mélange. T'as changé? Non, c'est pas mélange. T'appuies sur échanger, tu fais glisser tes lettres à échanger. Ah d'accord. Voilà. C'est ce qui reste comme lettre. Moi j'ai 25 là. Bah moi j'ai même pas échangé. J'ai abandon le professeur où il faut payer. Mélange. Attends, échanger c'est quand c'est à ton tour de jouer. Ah ouais, d'accord. T'as professeur quand il vient de jouer. C'est-à-dire, il te dit, professeur, si vous voulez le chanson, il te donne des regrets parce qu'il te dit que t'aurais pu faire mieux. Moi, j'ai plus ça, moi. Il me donne plus les solutions. Mais. Moi, c'est le truc payant que je donne.
projet sera prêt, je ferai une présentation sur la page Facebook de Prato. Ouais. Oh, ça va devenir trop compliqué. Non, mais par exemple, pour mon deuxième cam, si tu fais direct, tu peux monter à 10 pieds. C'est à... Donc là, c'est pas... Hein, Jean-Michel. Oui. C'est du VFR, c'est à tout le monde de prévoir son plan de vol. Hein. Il n'y a rien d'imposé là dans du VFR. Il va prévoir quelque chose, monsieur. Il n'y a pas bien de ici. Voilà. C'est sûr. On est valide. Pour aller où? Pour aller vers qui? Bah, tu prends là un début. Il faut passer la pas le meilleur trajet que chacun fait comme il veut, hein, de toute façon, là, de ce côté-là. Chacun fait comme il veut. S'il y en a qui veut faire direct au détriment de sa machine, eh ben, il verra bien. Hein. Soit tu vas direct, soit tu prends les bords, soit tu prends des points. De toute façon, on mettra un point imposé, donc il faudra obligatoirement se diriger dessus. Il va falloir prendre les cartes. Hein. Ah ben, la carte, tu l'as sur la... Sur la live map. Sur la live map, hein, c'est très bien.
Oh, il y a Claude qui est en train de se pâmer. Remets-toi, Claude, remets-toi. Oui. Claude est très pané. Non, pâmé, pas pané. Non, non, j'ai dit Claude est très pané. Ouais, mais là, c'est pâmé, pas pané. On peut toujours remonter ça à 45 points. Ah non, non, non. Ça fait que 200 points à rattraper. Ah ouais, arrête ça.